Dans le premier épisode, le tirage au sort de ce FC Fight Brochet a créé deux poules bien différentes. Une poule A très ouverte avec Manu de Souza, Tanguy Marlin, Rémi Segler et Charlie Couchou. Et une poule B qui ressemble à un groupe de la mort avec une bonne partie des favoris de la compétition. Il faut terminer premier de sa poule pour se qualifier pour la finale. Et après 4 heures de pêche dans la poule A, c'est Tanguy Marlin qui occupe cette position. Le compétiteur de Sakura a pris beaucoup de poissons durant la matinée et il dispose d'une très courte avance sur Rémi Segler et Charlie Couchou. La première manche a été compliquée pour Manu de Souza, mais il reste 4 heures de pêche et tout peut arriver sur une espèce où un spécimen peut faire exploser le classement à tout moment. Qui sera le premier qualifié pour la finale de ce FC Fight Brochet? Tanguy va-t-il conserver son statut de leader? C'est l'heure de vérité dans la poule A. C'est reparti. On va repartir sur le combo du dernier poisson ce matin. Et on va essayer de jouer sur leur agressivité. Oh, pendu. C'est pas ce qu'il nous faut. C'est un brochet, mais c'est pas la bonne taille. Allez, file. Il y a forcément un gros poisson qui traîne dans le coin. Ouf, putain. Qui s'appelle se faire couper. Alors monsieur Charlie Couchou, je t'avais dit quelque chose tout à l'heure. Eh ben, je ne me suis pas trompé. Allez, suivant. Allez, on fait tourner le leurre. Putain, un arrêt. Oh mais merde, putain, j'en peux plus. Enculé. Comme tout à l'heure. Je me déteste. Ah putain! C'est quoi ces touches là? Le but c'est pas de pêcher côte à côte, il y a de l'espace. On va aller voir ailleurs. Bon, on reste sur la même approche, toujours balancer des gros leurres durs. Là, je vais pêcher dans la zone un peu plus creuse qui va être entre 3 et 4 mètres, donc pour ça, j'ai opté pour un gros vataillon là, comme ça. C'est vraiment à l'heure auquel je crois pour prendre des gros poissons. Il a un beau déhanché, il passe vite, et puis surtout, c'est un leurre qui est épais, qui est haut, donc qui ressemble à une bonne partie du fourrage qui va être des gros poissons blancs comme les brèmes, même les gardons, les rotangles. Et ça, ça vaut des points des fois. Comme un bout de temps que j'ai pas repris un poisson là. On va recommencer quoi. Oh, il y en avait un derrière. Un petit encore. C'est bon signe. Allez, c'est reparti. Là, il y a un poisson. Il
Non! Ah si, il est là, c'est bon. Yes! Putain, j'ai cru qu'il s'était décroché, le leurre, il a glissé. Bon, c'est pas énorme, mais ça fait le quota et c'est plus gros que ce que j'ai fait, donc je vais pas m'en plaindre. Super! Ouh! Coup de chaud là. Je le voyais plus. 77. Il fait du bien celui-là. Poisson. Peut-être une petite amélioration, mais 75 tout pile. Un petit bataillon plein d'attractants. Petit. Mais comme quoi, hein. C'est pas un petit brochet, mais c'est pas non plus un. C'est pas non plus un géant. Bye bye. Option payante pour Charlie Couchou avec son Vatalion 190. Après une heure de pêche dans cette deuxième manche, il passe devant Rémi Segler. Ça va mieux pour Manu de Souza qui a désormais son quota et qui peut encore espérer créer une belle surprise. Pour le leader Tanguy, le début d'après-midi est très très calme. Pour l'instant, son changement de zone est un échec. Une heure sans touche. Enfin, avec une touche. Et surtout sans poisson, quoi. T'en as pas vu suivre là. Après, c'était peut-être un peu plus profond, ça s'y prête moins, mais. Et là, c'est frais. Hein. Là, c'est très très frais ici. Ça fait 2 de 75 et 1 de 72. C'est quand même pas le plus glorieux, mais bon. C'est reparti! Ça déverrouille l'après-midi. Bon, il est tout pourri mon coin. Pas fier de moi là. Eh bien, on va aller se balader. La zone est vraiment belle pour ça. Allez, encore deux minutes, on se tire. Ça, c'était une touche au moins. Nine. C'est pas encore le ce qu'on cherche. C'est décroché, tant mieux. Il est parti avec un bout du dos. C'est bien trop calme là. Tanguy qui est là-bas en train de se déplacer, on dirait. Wow. Oh. Une bonne touche là par contre. Mais ça suffit pas. Pas mal de potes à mots sur le tombant. Je vais essayer de le longer avec, avec ma petite brème. On
Donc là, ouais, je vais monter ça avec des tripes sur le dessous comme ça, un one-up 10 pouces. Ça devient un peu dur. J'ai un montage là tout près, équipé avec des hameçons d'écueil. Puis je vais essayer de manier un petit peu ça, de le faire saccader un peu au-dessus du fond, le faire sauter, le ramener en cranking. Ce shad, il va vraiment bien pour ça. Il a une gomme très tendre et en même temps solide quand on le monte de cette manière. Et du coup, parfois, ça fait la diff. Je sais pas où est-ce qu'ils sont tous partis, là. Ils ont disparu, quoi. Ouais. Ah si, il y en a un là-bas, vers l'île. Tant mieux. Tant mieux, je suis bien où je suis, moi. Oh, putain, cette baigne. Ah, les salauds. Ah, ils sont salauds. Yes. Qui piquait à l'intérieur, nickel. Ça fait une jolie touche, un joli combat. Un petit changement payant là. Peut-être trouver un truc. Trois lancers, deux touches. Ça améliore un petit peu. C'est pas encore la forme. Ouais. Ça, c'est peut-être plus joli. Il l'a bien. Il n'a pas fait semblant celui-là. Oh, ils sont chauds. Faut vraiment, vraiment un beau poisson là. Je demande pas grand chose. Je demande pas de prendre des touches toutes les deux minutes, mais ouais, ça serait cool de quiller un poisson de 90 quoi. Ouais, je la sens bien cette partie pour un gros poisson. Le cassant, il est vraiment abrupt. Tu passes de 2 à 6 mètres sur une bande de même pas 10 mètres. C'est forcément une zone où il se passe des choses. Poisson. Ça va pas traîner. Oh, c'est pas dégueulasse. Ça va améliorer, je pense. Oh non, peut-être pas. Voilà. Ouais, ça va peut-être. 65, non, pareil. C'est fait. C'est parfait. 2 heures dans le petit coin. C'est peut-être un peu plus gros. Ouais, c'est plus gros.
Oh, quoique. Oh, c'est plus gros. Un poil plus gros. La touche avait l'air d'être beau quoi. Le problème c'est que là je le sens arriver. C'est cuisse quand même quoi. Ça gratte peut-être. Celui-là, il a la rage. Allez. Yes. Ah, par contre, là, plus loin, c'est digéré, quoi. Ouais, là, c'est cool. Là, ça commence à être sympa, là. Là, je suis à 84. Encore un poisson bien gras là. Et puis the touche. Hein. Yes. Yes, 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 yes. Ah, ça fait vraiment du bien. Alors par contre, est-ce que c'est la coïncidence ou pas? Et là j'ai pris deux vraies belles touches. Donc l'autre poisson d'avant, c'est pareil, c'était quand même bien engamé quoi. Et j'ai rajouté une palette. Ce qu'on a fait ce matin, et c'était pas, ça n'a pas payé ce matin quoi. Là par contre les deux touches, et puis voilà, quoi, c'est en gamme quoi, le fluoro, il est rogné. Non c'est cool. Il y a peut-être un petit truc, un créneau, ou je sais pas. On va pas traîner. Ça bouge dans cette poule A alors qu'il reste moins de 2 heures de pêche, avec un poisson très solide, le plus gros de la journée pour l'instant. Rémi Segler vient de prendre les commandes devant Tanguy qui est en pleine traversée du désert. L'écart est infime entre les deux, seulement 2 petits centimètres. Même Charlie, qui n'a que 7 centimètres de retard, peut mettre tout le monde d'accord avec un gros poisson. Les choses semblent plus compliquées pour Manu de Souza, mais en fait, un poisson de plus de 90 cm peut l'envoyer directement en finale, ce qui reste totalement possible sur un plan d'eau comme Maddy. C'est pas gros. Oh, il a pris les herbes. C'est pas gros, mais il a pris les herbes. Ah non, ça va. Il vient en saucisse. Putain, ils ont faim, c'est pas possible. Bon, celui-là, je le mesure pas. Hop, nickel. Il manque plus qu'un vrai gros, là, maintenant. Là. Déjà, 80... Ouais, 84, j'ai dit, ouais. 84, c'est cool, c'est ce qu'on voulait, quoi. Ce qu'on veut, des poissons de 80 comme ça, là, pour remplacer les autres. Mais je pense que ça va être charrette, quoi. Un 88, un 89. Quitte à ce qu'on soit dans les 80... Autant qu'on soit dans les plus grands. Je pense pas que ça va être celui-là, mais bon. Ah, malheureusement, là, ça joue pas. On fait rien de plus avec celui-là. Allez, viens ici, petit coquin. Allez hop! J'ai traversé tout le lac pour venir ici. Parce que je trouvais ça pas mal avec le tombant là, les herbiers et tout. Je suis bien content, tu vois, d'être venu. Ah,
Regarde. Oh putain. Non. 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 Lui, c'était un gros, lui. Il l'a coffré, je l'ai enlevé de la gueule. Il l'avait pris pourtant, j'ai ferré trop tôt. J'étais débutant sur ce coup-là. En plus, ça aurait été magnifique. Ah, c'était trop beau. Il est venu, j'ai ralenti, il a ouvert le four et il l'a pris. Et là, c'était un 85, ça. Ah ! C'est pas grave. Ben, si, ça peut l'être, mais... Oh, il y en a deux qui suivent, incroyable. Il y en avait deux. Il y en a un qui a croqué, mais deux petits de la même taille. Incroyable. Alors voilà, je suis sur une zone... sur une zone où il y a du monde. Hein. J'hallucine, quoi. Possible. Je le vois prendre à la descente, je vois mon chat qui se tord dans tous les sens, je l'ai encore raté. Je suis vraiment un truc qui va pas là. C'est vraiment un truc de... Ça. Comment c'est possible, quoi? Putain, fallait pas le rater celui-là. J'avais pas le droit! Ah bah tiens, celui-là, il comptait pas pour du beurre. Merde, mais putain, mais il en a un gros en plus. Oh putain, enculé. Putain, c'était exactement ça qu'il m'aurait fallu. Vive. Il va rentrer dans la voiture. Ah, il est beau. Hein. Tristesse. Reste 1h10. 1h10 avant le verdict et sur un lac où il faut se déplacer au moteur électrique, c'est le moment de choisir la bonne zone puisqu'il s'agira vraisemblablement de la dernière. Tanguy va terminer dans l'anse qui lui a bien réussi le matin, malgré la présence des pêcheurs au vif. Rémi va continuer sur les plateaux avec les herbiers, ce qui lui ont permis de prendre le plus gros poisson de la journée. Manny de Souza reste près du port de Nonsard, où il semble y avoir pas mal d'activités. Enfin, Charlie reste lui aussi fidèle à ses zones du nord du lac, où il a pris pas mal de touches, en espérant toucher le poisson qui pourrait l'envoyer en finale. Mal au poignet, quoi. Y a rien, c'est nul. C'est nul. Allez, alors. Ah, tu vois, il suffirait que je te le dise. On arrive surtout sur la bonne zone. Putain, c'est le même. Pas celui que j'ai raté. Hein. La même taille que tous les autres.
Pourtant, il l'avait dans la gueule. Hein. Bon. Poteau pas but. On recommence. Et là, il se repasse des choses. Celui-là, ça va être un poisson à l'épisode de derrière. Même pas, putain. Là, il est en train de se passer des choses. Allez, mon coco. Faut se réveiller, les gars. Parce qu'après, il sera trop tard. Oh, putain. Oh, j'ai glissé, chef. Pourquoi j'ai mis de pied sur le rebord du bateau, quoi. Oh, putain, il devait suivre, celui-là. Tiens, il y est. Délire. Ah, celui-là, il était joueur, quoi. Rien à voir là, bijou. Celui-là était vraiment joueur, quoi. Dans ce lac, là, c'est vraiment le pied pour pêcher le brochet, quoi. Même si on peste un peu parce qu'on en voudrait un plus gros, c'est quand même un vrai bonheur, quoi. Allez, file, mon loup. C'est cool. Je suis un peu frustré, ces poissons ils y sont, mais même ce matin ils étaient quand même très concentrés là où il y a les pêcheurs au vif, c'est quand même pas mal là-bas où ça se passe. Voilà, ils sont tellement nombreux à camper que on peut plus trop y accéder. Et puis c'était un peu ma dernière carte, quoi. Là, je suis en mode machine. Maintenant c'est balame à fond. Une saucissonnade, celui-là. Énième poisson. Allez. Non. Je vais essayer de me tanker, quoi. Ah, c'est pas le moment, ça. Putain, je me suis fait pousser, mais c'est pas vrai. Ils peuvent pas le prendre comme il faut. Pas là, quoi. Non, pas celle-là, quoi. Putain. Oh, je me suis fait aspirer.
La peste! La peste! La peste et le choléra! Non, la tristesse du truc, quoi. Allez, la messe est dite. Beaucoup de touches, mais rien de décisif dans cette dernière heure. Et c'est donc Rémi Segler de West Inn qui se qualifie pour la finale du FC Fight Brochet avec une toute petite avance sur Tanguy Marlin. Tanguy a passé un après-midi en enfer avec très peu de touches après avoir pris un départ tonitruant lors de la matinée. Charlie Couchou a pris beaucoup de poissons dans l'après-midi, mais ses brochets sont incroyablement calibrés à 75 cm. Il termine 3e de cette poule A devant Manu de Souza, qui a fait une belle remontée dans l'après-midi, mais il partait sans doute de trop loin après une première manche globalement ratée. J'ai pêché comme j'avais envie. Les zones que j'avais repérées, je suis assez content parce que c'est des choses que je m'étais dit, bah, je vais aller là, comme ci, comme ça, et ça a fonctionné la plupart du temps. Donc franchement, pas de regrets, c'était au top. La matinée était folle, vraiment folle, 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 folle. Un truc incroyable, avec des poissons en feu, c'était open. Et j'ai pas été bon, c'est simplement ça en fait. Donc j'ai un peu de frustration là-dessus parce que je perds deux gros poissons. Et ça m'a mis dedans. Enfin, j'étais très content parce qu'on a fait plein de touches et tout, mais pour la journée, je pense, je me doutais bien que voilà, ça allait me mettre dedans. Parce qu'il faut pas. Enfin, on ne peut pas se permettre de les louper, c'est la compétition, donc on les regrette à un moment donné ou à un autre. C'est pas triste, parce que je suis pas triste, après c'est toujours une frustration, bah, comme on a dit au début, on vient quand même là pour gagner. Les gros poissons, c'est quand même bien de les faire, et je pense qu'il y avait bien moyen. Je pense qu'on a eu pour certains des approches assez différentes, et ça va être intéressant de voir ensuite la suite. Bon bah là effectivement, s'il y en avait un qui avait fait 3 mètres, bon, il y avait de quoi se remettre en question. Là, on est assez proche, ça veut dire que bon... Globalement, on était tous à peu près pareil. Ouais, bah 2 cm, tu vois, ça joue à pas grand chose, quoi. Donc, mais ça compte. Comme quoi, 2 cm, ça compte vraiment. Et c'est cool. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Je suis étonné, surpris, sincèrement. Une surprise qu'il va falloir digérer. Rémi Segler s'est brillamment qualifié pour la finale de ce FC Fight Brochet. C'est donc lui qui affrontera le vainqueur de la poule B. Une poule qui est un véritable groupe de la mort. Sylvain Legendre, Gaël Even, Alban Choignet et Arnaud Rizzi-Anderson. 3 cadors et un outsider aux dents longues qui vont se battre durant 8 heures pour tenter de se qualifier pour la finale. Qui sera le boss chez les boss? On se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne du Fishing Club pour le combat des chefs. Je veux que tu mettes des palettes dans ma vie, Kevin.